Je pense que la course de l'autre jour à Longchamp lui a permis de s'affûter et il a fait un bon travail la semaine dernière. Donc il n'avait pas besoin de travailler trop fort ce matin. On est à quelques jours de la course, donc c'était juste de l'entretien. Maintenant, le matin, il n'a jamais été spécialement très démonstratif. Mais voilà, l'après-midi, on s'attendait à ce que l'autre jour, il tienne tête un petit peu à Wild Guest, ce qui n'a pas été le cas. Donc autant moi-même et son entourage, on était un peu déçus de cette performance. Maintenant, voilà, avec une course dans le ventre, on a vu beaucoup de chevaux courir moyen les préparatoires et faire mieux dans l'arc. Donc on espère que ce sera le même cas pour lui dimanche. Vu que l'autre jour on a couru en bon terrain et qu'il a été très décevant par rapport à ce qu'on pensait de lui, je pense que justement si on veut que quelque chose s'améliore, c'est peut-être avec l'état du terrain plus souple. Donc il faudra de toute façon espérer que quelque chose change un petit peu par rapport à sa course de rentrée pour espérer finir à l'arrivée. Donc si les pluies viennent, je pense qu'elles seront les bienvenues. Puis s'il court mal dedans, bon, c'est comme ça, c'est la vie des courses. Mais je pense qu'elle va être pénible pour tout le monde quoi qu'il arrive. Et il y a beaucoup de chevaux qui vont probablement ne pas apprécier ce terrain-là aussi. Donc voilà, on sait qu'il n'a pas eu l'habitude au Japon de courir là-dedans, mais il a une très belle action. Donc comme c'est un cheval très souple, il va peut-être pouvoir s'en sortir un petit peu.